Max. Oui. Mais c'était bien engagé, le capitaine des Sénégalais. Regardez, oui, c'était ça, bien engagé. Oui, un match officiel, ça, ça mérite une rouge. Regardez, là, c'est volontaire. Il est très adroit lorsqu'il se trouve entre deux joueurs adverses, double contact. Ses déplacements sont. Mais je sens le but là. Oui, c'est un coup franc idéalement placé pour le pied droit de Didier Drogba. Mais bon, le véritable capitaine des éléphants manque quand même un peu de compétition. Oh, certainement que contre le Salvador, il va faire le jeu de 90. Ah oui, un peu de rythme. Oui. Et peut-être qu'il serait souhaitable qu'on ne joue pas en blanc, qu'on prenne nos couleurs, qu'on prenne nos couleurs habituelles. Il serait souhaitable qu'on ne joue pas en blanc hein, pour le prochain match. Mais je vous l'ai dit. Ouais. Sans élan. Je sens même que Didier. À peine deux pas d'élan et une frappe du pied droit travaillée et puissante. Alors là, c'est vraiment. Alors, trois dernières minutes de folie pour le temps additionnel. Et la joie des supporters ivoiriens, non seulement de retrouver Didier Drogba, mais de le voir réaliser le geste parfait. Regardez, deux, trois pas d'élan et un pied droit en plein cadre. La puissance et la précision. La puissance et la précision. La puissance parce que le ballon finalement ne passe pas loin des bras de Gavik. Hein, mais.